Father, we thank you. We thank you for your loving kindness. We thank you for your faithfulness. Nous te remercions we thank you for your holiness. Nous te remercions pour ta we thank you for your glorious presence. Nous te remercions pour ta présence we thank glorieuse. You for your everlasting mercy. Nous te remercions pour ta miséricorde éternelle. Let your name be glorified, Father. Que ton nom soit glorifié, Père. In Jesus' mighty name, we have worshiped. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Have your wonderful seat. God bless you. Viens nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. We have not eaten. You are not fasting. You are fasting now. Okay. It doesn't mean that when we are fasting, we don't say amen. Alléluia. That means that the fasting will be useless. You are fasting now to Buddha, you cannot say amen to the person you are fasting to. So when I say in Jesus' name, let us all say amen. Amen. Okay, now we are one. We are no more divided. Let our heart be connected. Hallelujah. Que notre cœur soit connecté. Remember, there is no point that God deals with except the heart of man. Il n'y a aucun autre endroit avec lequel Dieu n'intéresse que le cœur de l'homme. That God speaks to except the heart of man. C'est uniquement par le cœur de l'homme que Dieu parle. There is no place that God blesses you except in your heart. C'est uniquement par votre cœur que Dieu bénit. What we are seeing today as blessings. Ce que nous voyons aujourd'hui comme bénédiction. What we are seeing today as deliverance. Ce que nous voyons aujourd'hui comme délivrance. What we are seeing today as salvation. Ce que nous voyons aujourd'hui comme salut. All starts from the heart. Tout commence par le cœur. The blessings today that you have. Les bénédictions que vous avez aujourd'hui. From your heart. Ça commence par le cœur. No other place. Nulle part ailleurs. Alléluia. The Bible says whatever a man thinketh. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Whatever a man thinks, so is he. Tel un homme pense, tel il est. Everything that you do, tout ce que vous faites, everything that you have achieved, tout ce que vous accomplissez, even the attacks that you are receiving, même les attaques que nous recevons, they are coming from your heart. Viennent du cœur. If you don't think about attack, you will not receive it. Si vous ne pensez pas aux attaques, if you feel defeated in your heart, Satan will defeat you physically. But if you don't feel defeated in your heart, Satan will never vaincu dans votre cœur, le diable ne vous vaincra jamais. All our defeats, they start from our heart. Toutes nos défaites commencent par notre cœur. And all our blessings, they start from our heart. Et toutes nos bénédictions commencent par notre cœur. Hallelujah. So we thank God for those of us that we join the men of God on fasting. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui nous ont joints dans le jeûne. Remember, we are not here for ourselves. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. We are not here for our families. Nous ne sommes pas ici pour nos familles. God called us for you people. Dieu nous a appelés pour vous. Ananias said to Jesus. Ananias a dit à Jésus. Lord, how can you say I should pray for this man? Comment est-ce que tu peux dire que je prie pour cet homme Saul? Persecuting your people. Qui persécute tes gens. And he has even come here for the same purpose. Et il est venu encore ici pour la même chose. To arrest all the Christians. Pour arrêter tous les chrétiens. How can you say I should go and pray for him that you want to use him? Comment peux-tu dire que j'aille prier pour lui et que tu veux l'utiliser? And go to Ananias. Et Dieu a dit à Ananias. Don't worry, I have called him. T'inquiète pas, je l'ai appelé. To be my witness for the Gentiles. Pour être mon témoin chez les païens. Not for himself. Pas pour lui-même. Us men of God, we are not here for ourselves. Nous les hommes de Dieu, nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. That's why we can pray. You go and be somebody. You can go and receive something, but us, that particular thing. Physically, you will not see us with it. C'est pourquoi on peut prier que vous allez recevoir quelque chose physique, mais ce même jour, vous n'allez pas nous voir avec cette that chose. Is how it is in the spiritual world. C'est ainsi que c'est dans le monde spirituel. God does not call us for ourselves or our families. Dieu ne nous appelle pas pour nous et pour nos he familles. He has called us for the body of Christ. Il nous appelle pour le corps du Christ. He has called us to represent him here on earth. Il nous a appelé pour le représenter ici sur terre. God is a spirit. You cannot say you are communicating with God directly. You cannot say you are seeing God. That you are not seeing somebody physical. Dieu est esprit, tu peux pas dire que tu vois Dieu si tu ne peux pas voir quelqu'un qui est physique. You see God through the people he has sent to you. Vous voyez Dieu au travers des gens qu'il a envoyés pour vous. Hallelujah. So please, we thank God for all of us that are in fasting. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui jeûnent. As you people are supporting us. Comme vous nous soutenez. Remember, God sent Moses to the mountain when they left Egypt. Rappelons-nous, Dieu a envoyé Moïse à la montagne lorsqu'ils ont laissé l'Égypte. When they arrived at the mountain, he sent asked Moses,
to let the children of Israel remain at the foot of the mountain. Il a dit lorsqu'ils sont arrivés que laisse le peuple d'Israël au bas de la montagne. You Moses, come up to me on top of the mountain. Toi Moïse, viens vers moi au sommet de la montagne. The children of Israel, they were there praying also for Moses. Le peuple d'Israël était là également priant pour Moses. Moïse never went up to receive 10 commandments for himself. Moïse n'est jamais allé recevoir les 10 commandements pour lui-même. What Moses went to receive, ce que Moïse allait recevoir, was a great blessing for the people. C'était une grande bénédiction pour le peuple. That was why when Moses was there, the people were praying for him because. C'est pour cela que lorsque Moïse était là-bas, le peuple également priait pour lui. Moses has gone up to God to represent them before God. Moïse était allé représenter le peuple devant Dieu. Moses also came down to the mountain, at the foot of the mountain, to represent God before the people. Moïse également est descendu au bas de la montagne pour représenter Dieu au devant du peuple. So please, we encourage you people to continue to pray for us. Nous vous encourageons de continuer à prier pour what nous. God has sent us to go and get, ce que Dieu nous a appelé pour aller recevoir, is to come and bless you people with it in Jesus' name. Venir vous bénir au nom de Jésus. Hallelujah. Wow, it's a great thing. It's a great thing. It's a great thing. And Habakkuk said, let me climb up on my watchtower and stand my watch and see what the Lord will show to me. Habakkuk a dit que j'aille sur la tour de veille pour voir ce que Dieu a dit. And what I will answer when he speaks to me. Je vais répondre lorsqu'il me parlera. So we are there to see what God will say. Nous sommes là pour voir, écouter ce que Dieu va dire. For the church and for the people. Pour l'église et pour le peuple. And for us to know what will come and tell you people et from what he will say. Ce que nous allons venir vous dire par rapport à ce qu'il a dit. If you speak to you what has not come from him. Si nous vous parlons ce qui ne vient pas de lui. It will be dangerous for you people and for us. Ce sera dangereux pour vous et pour nous. Hallelujah. So we thank God in Jesus' name. So let us go straight to the Bible. Allons, ouvrons nos Bibles. Zachariah. Zachariah chapter 4, from verse 6 to 7. Zechariah chapter 4, verse 6 to 7. Zacharie 4, verset 6 et le verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Zechariah chapter 4. From verse 6 to 7, I read in the spirit of the Most High. So he answered and said to me, for our better understanding, this was Zechariah speaking now, Zechariah the prophet. He was the one speaking now. He was talking what an angel of the Lord was telling him. Zechariah est en train de dire ce que l'ange de l'Éternel lui a dit. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountains? Before Zerubbabel, you shall become plain, and he shall bring forth the capstones with shouts of grace. Grace to eat. May the Lord bless his word in Jesus' name. I read verse 6 again. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts.
God sent a message. Dieu a envoyé un message. To Zerubbabel. À Zerubbabel. Concerning a mountain. Concernant une montagne. Before Zerubbabel. Qui était devant Zerubbabel. But before God proclaimed about the mountain. Mais avant que Dieu ne proclame concernant cette before montagne. God prophesied to the mountain. Avant que Dieu ne prophétise sur la montagne. He said, "Ho, thou great mountain, who are you?" Il a dit, grande montagne, qui es-tu? Before Zerubbabel, you will become plain. Devant Zerubbabel, tu seras aplani. What is this mountain? Quelle est cette montagne? And what did the angel say to Zerubbabel first? Et qu'est-ce que l'ange a dit d'abord à Zerubbabel? Before speaking what God talked about the mountain. Et avant de dire ce que Dieu disait. Remember, par rapport à la montagne. A warning first of all came to Zerubbabel in verse 6. Le verset 6, il y a d'abord eu un avertissement contre in Zerubbabel. Verse 7 now. Et verset 7. God prophesied now against the mountain before Zerubbabel. Et maintenant Dieu a prophétisé contre la montagne qui était devant Zerubbabel. There are two things there. Il y a deux choses là. There was a warning that came to Zerubbabel. Il y a un avertissement qui est venu sur Zerubbabel au verset 6. Zerubbabel, remember. Zerubbabel s'est rappelé. It is not by your might. Que ce n'est ni par ta or puissance, by power, ni par la force, but by my spirit. Mais c'est par mon esprit. God wanted to remove the obstacle before Zerubbabel. Dieu voulait ôter les obstacles devant but Zerubbabel. God was already sensing. Mais Dieu sentait. That Zerubbabel will not give him glory. Que Zerubbabel ne lui donnera, ne lui Zerubbabel pas will think that it is because of his might or power. Zerubbabel va penser que c'est à cause that de sa that puissance. That mountain has left. Que cette montagne s'est écroulée. Many of us today. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui. God have not intervened in our situations today. Dieu n'intervient pas dans nos situations aujourd'hui. Because God already knows our heart. Parce que Dieu connaît déjà nos cœurs. He knows that we will not give him glory. Il sait que nous n'allons pas lui rendre we gloire. We will give glory to another man. Nous allons donner rendre gloire à quelqu'un d'autre. We will give glory to our own selves. Nous allons donner gloire à quelqu'un d'autre. If you are a rich man today. Si tu es riche aujourd'hui. And you come in church. Et tu viens à l'église. And they pray. The man of God is proclaiming breakthrough. Et l'homme de Dieu prie pour la percée. Declaring financial open doors for everybody in church. Déclare les ouvertures financières pour tout le monde à l'église. You, the rich man, when you go back. Toi qui es riche, quand tu vas rentrer. When an open door comes. Lorsqu'une porte ouverte va s'ouvrir. It will be hard for that rich man to know that it is God that have done it. Ce sera difficile pour ce riche de dire c'est Dieu qui l'a fait. Because he first of all know that he has his connections. Parce qu'il sait déjà qu'il a ses connexions. He knows that it is his connections that have caused that open door to come. Il sait que ce sont ses connexions qui ont permis l'ouverture de ces portes. It is hard for rich people to. Give God glory. C'est très dur pour les riches personnes de rendre gloire à Dieu. The title of this message, don't rob God's glory. Ne retiens pas la gloire de Dieu. Don't rob God's glory. Do you know the meaning of robber now? I'm robber. Eh? I'm robber come and steal. So, many of us, we are stealing God's glory. Beaucoup d'entre nous, nous volons la gloire de Dieu. We are stealing God's glory. Even men of God today. Même les hommes de Dieu aujourd'hui, God's glory. Nous volons la gloire de Dieu. I can pray for you. Je peux prier pour you toi. Receive your healing. Tu reçois ta guérison. I prophesy to you. Je prophétise the prophecy pour toi. Comes to pass. La prophétie s'accomplit. You come and say, oh man of God. Tu viens, tu dis, oh homme de Dieu. You are very great. Tu es grand. What you have done, no man of God has ever done it. Personne ne l'a jamais you fait. Say, yes, no, I know, I'm a very great man. Tu dis non, c'est vrai, je sais, je suis un grand homme. Yes, I know what I've done. I know the sacrifices. Je sais ce que j'ai fait. Je I know les what sacrifices. I went through. Je sais par quoi I je suis know passé. What it happened in the realms of the spirit. Je sais ce qui s'est passé dans le realm de l'esprit avant de te dire ce que je t'ai dit. Man of God, you are just digging your grave. Homme de Dieu, si tu le fais, tu creuses ta tombe. God does not joke with anyone that robs his glory. Dieu ne s'amuse pas avec celui whether qui vole sa gloire. Man of God, que tu sois homme de Dieu, whether you are who, a president, qui que tu sois, a minister, ministre, président, whosoever, qui que tu sois, God does not joke with you. Dieu ne rit when pas. When you rob his glory, lorsque tu voles sa gloire. The day I, Samuel, I stand here. Le jour où moi, Samuel, il va me tenir ici. I pray for you. Je vais prier pour vous. You receive your breakthrough. Vous recevez votre percée. You come to me. Vous venez vers you moi. You thank me. You do this. Vous me remerciez. The day I don't reject. Le jour où je ne vais pas rejeter I cela. I say, if it's God, not me, give thanks to God. Que je dis que c'est Dieu et pas moi. The day I welcome it. Le jour où je vais accepter that cela. That same day, God will start to bring me down. Ce même jour, Dieu va commencer and look à for me. Another person that will give him glory. M'entraîner vers le bas pour chercher quelqu'un d'autre à qui va donner cette gloire. God is not interested. It does not concern God if you remain poor and then you make heaven. God is not bothered. Look, God's main trouble, what is bothering God is for us
to make eternal life. Le problème principal de Dieu, c'est que nous obtenions le salut. But because he knows that we are living in this world, et comme il sait que nous vivons dans ce monde, we need some necessities. Nous avons besoin de certaines nécessités. That is why he is doing all what he's doing. C'est pour cela qu'il fait tout ce qu'il fait. All what God is doing. Tout ce que Dieu fait. Through prophecy, through healing. Au travers des guérisons, de prophétie, this, au travers de tout ce qu'il fait. That, tout cela, it is not because he wants you people just to receive it. C'est pas seulement parce qu'il veut que nous recevions cela. God is interested in your soul. Dieu est concerné than par what notre âme you are receiving. Que par rapport à ce que nous Many recevons. Of us, we are interested on our blessings than our souls. Beaucoup d'entre nous, nous sommes intéressés par nos bénédictions que par le salut de But notre God âme. Is interested in your soul than your blessing. Mais Dieu lui est intéressé au salut de notre âme plus so, que à nos even bénédictions. If you are poor, même si tu es pauvre, and God sees that you are making heaven, et Dieu voit que tu vas arriver he au will ciel, be very happy. Il sera très content. He will be very happy. Il sera très content. Zerubbabel. He was a governor of Judah. Zerubbabel était un gouverneur de Juda. In the years when the children of Israel had been in captivity for 70 years. Lorsque le peuple d'Israël était en captivité. When the moment came for God to bring them back to Jerusalem. Lorsque le moment est venu que Dieu les ramène à Jérusalem. Zerubbabel also was an Israelite also in captivity. Zerubbabel était un Israélien qui était également But now there when the moment come. Lorsque le moment est arrivé, for God to restore back his people. Que Dieu restaure son peuple. God raised Zerubbabel now. Dieu a suscité even Zerubbabel. In the midst of their enemies. Au même au milieu the des ennemis. Enemies even promoted Zerubbabel to be a governor in Judah. Les ennemis ont promu Zerubbabel comme gouverneur de Juda. To Judah and start to rebuild the temple of God. Pour aller et rebâtir le temple de Dieu. He was a big man, he was a governor. C'était un gouverneur. God saw his position. Dieu a vu sa position. And saw that if I don't want this man before time. Et il a vu que si je n'avertis pas cet homme avant this le temps, this man will surely think that what will happen, what is going to happen, he will surely think that it's because of his position. Cet homme va penser que ce qui va arriver c'est par rapport à sa position. He sent the angel go and warn this man. Il a envoyé l'ange pour aller avertir. I want to use him to restore Israel. Je veux l'utiliser pour restaurer Israël. Go and warn him first. Mais va l'avertir d'abord. This is the moment for me to bless my people. C'est le moment pour moi de bénir mon But peuple. Go and warn them first. Mais va leur avertir d'abord. I'm already prophesying. Just as God was telling Zerubbabel, the angel, go and tell Zerubbabel. Comme Dieu a dit à l'ange, va dire à Zerubbabel. I am about to restore Israel. Je veux restaurer Israël. I am about to bless my people. Je suis en train de vouloir bénir go mon peuple. Go and warn this Zerubbabel first. Va avertir d'abord Zerubbabel. What is going to happen? Ce qui va arriver. He should not think that it is because of his position as a governor. Il ne pense pas que c'est par rapport à sa position en tant que gouverneur. He should not think that it's because of his position as a military man. Il ne pense pas que c'est par rapport à sa position en tant que militaire. He was a governor same time. He was a commander of the military also. Il était gouverneur et commandant de l'armée. But go and warn him. Mais va l'avertir. This blessing that is coming. Cette bénédiction qui arrive. He should not say that it is because of his position. Qu'il ne pense pas que c'est par rapport à sa position. He should not say that it's because of his military might. Qu'il ne pense pas que c'est par rapport à son rang de militaire. But let him know that what is going to happen is by my spirit. Qu'il sache que ce qui va arriver c'est par mon esprit. It is by the spirit of God that thing will happen, not by him. C'est par l'esprit de Dieu que ces choses vont arriver. Go down and warn my people. Va avertir mon peuple. My glory is about to come upon them. Ma gloire est en train de vouloir arriver. My glory is about to start. Ma gloire est en train de vouloir se manifester. Their restoration is about to come. Leur restauration est sur le chemin. Go and warn them first. Va d'abord leur donner des avertissements. When this thing comes, lorsque cela arrivera, they should give me glory. Qu'ils me rendent gloire. They should not take glory to themselves. Qu'ils ne gardent pas cette gloire pour eux. They should not give glory to their family members. Qu'ils ne donnent pas cette gloire aux membres de leur famille. That is what is about to happen to us very soon. C'est ce qui est sur le point de nous arriver bientôt. When God will release his glory on us. Lorsque Dieu va relâcher sa gloire sur nous. Don't regard your position. Ne regarde pas ta position. No, it is God. Sache que c'est Dieu. Don't regard who you are. Ne regarde pas qui tu es. Don't regard your connection. Ne regarde pas tes connexions. No, it is God that have done it. Sache que c'est Dieu qui l'a fait. Don't look at your family. Ne regarde pas ta famille. Oh, this, my family just. I call my family. I explain them my problem, and my family have sent me this amount of money to help me. Oh. J'ai appelé ma famille. J'ai exposé les problèmes et ils m'ont envoyé ce montant d'argent pour m'aider. If not because of this, my brother. Si c'était pas par mon frère. If not because of this, my sister. Si c'était pas ma sœur, si. I don't know what I would have done. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. I don't know what I would have done. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. This is what we are doing. C'est ce que nous faisons. And this is what is hindering God from blessing us further. Et c'est ce qui bloque Dieu pour qu'il puisse nous bénir davantage. It is not that you are brother or sister. C'est pas ton frère ou ta it sœur. It is not that your aunt. C'est pas ta tante. That have done it.
Qui a fait cela? There are other people in the family also suffering even more than you. Il y a d'autres personnes dans la famille qui souffrent même plus que toi. But that your brother have not helped them. Mais ton frère là ne l'a pas aidé. That your auntie have not helped them. Ta tante là ne l'a jamais aidé. But the help came to you. Mais l'aide est venue vers toi. Don't say it is him. Ne dis pas que c'est lui. Don't say it is her. Ne dis pas que c'est elle. It is by the power of God. C'est par la puissance de Dieu. It is by the spirit of the Most High. C'est par l'esprit du Très-Haut. No matter what comes your way. Qu'est-ce que vois ce qui vient sur ton chemin? Always give the glory back to God immediately. Toujours rendre gloire à Dieu directement. Don't give it to anybody. Ne donne pas cela à un autre homme. You can never see God physically. That this is me, God. Take. Tu peux pas voir Dieu physiquement. C'est I know moi, you Dieu. Need this breakthrough. I know you need this. Take. Je this sais que tu as God. Besoin de ceci. Prends. God c'est moi, will never Dieu. Appear physically. Dieu ne va jamais apparaître physiquement. God will pass through somebody. Dieu va passer au travers de quelqu'un. And do what you need. Et va faire ce dont tu as besoin. When He does it. Lorsqu'il le fera, don't give glory to that person. Ne donne pas la gloire à cette personne. Give glory to God. Mais donne la gloire à Dieu. Many of us, God has blessed us. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a bénis. But we have given glory to different people. Mais nous donnons gloire à. That is why personnes. No blessings are coming for that again. C'est pour cela que la gloire de Dieu. But God maintenant. Does not want that His people should continue like that. Mais Dieu ne veut pas que son peuple continue. Without ici. Receiving what they need, what they il are asking for. Ne reçoit pas ce qu'il demande. And He don't more want to give it because they will still rob Him from His glory. Et il ne veut pas donner parce qu'on va encore voler sa gloire. That is why this message is coming. C'est pourquoi ce message vient. The glory of God is about to risen on us. La gloire de Dieu est sur le point d'arriver But sur let nous. Let us remember Him and give Him glory. Rappelons-nous que c'est à Dieu que appartient la gloire. Great and mighty things will happen to many of us. De merveilleuses choses vont nous arriver. No matter the method that these things takes to happen. Quel que soit le moyen par lequel cela va Don't arriver. Give glory to man. Ne donnez pas la gloire à un give homme. God's glory. Donnez la gloire à Dieu. And the thing will continue to flow. Et cette chose va continuer à couler. Don't be worried. Oh, if I. Ne vous inquiétez pas. If I don't praise this my brother for what he has done. Si je ne loue pas mon frère pour ce qu'il a fait, tomorrow he will not do it again. Demain il ne le fera plus. That's how Satan is talking to your heart. C'est comme ça que le diable parle dans nos the cœurs. The Spirit of God is saying, give God glory. You say no, this man that have done this. Puis Dieu va dire, donne gloire à Dieu. And kneel down and begin to praise Him. Tu vas dire non, c'est cet homme qui a fait que j'ai m'agenouillé devant lui et it que je l'adore. It is good. C'est bien. To thank the man. De remercier l'homme. For allowing himself for God to use him. De avoir laissé que Dieu l'utilise. Don't limit yourself there. That is not where the thing originates. Mais ne limite pas ton esprit sur lui give parce que ce n'est pas l'origine. Give the glory to where it is originating. Donne la gloire à la source même de cette bénédiction. Oh, if I don't tell this man all the beautiful names. Si je ne donne pas, j'en perds pas ce nom par tous him, les merveilleux noms. Family would have been destroyed. Sans lui, la famille without serait this détruite. Uncle, without you. Oh. Cet oncle sans toi. Look at the people that you have helped. Regarde les gens que tu as aidés. Uncle, without you. Oh mon oncle, this family sans would have toi, never been existing. Cette famille ne devait pas exister. Imagine God causing your family to be existing and you are giving glory. You are telling another man that he is the one making the family to be existing. Imagine God étant l'auteur de Put la création de ta famille. Put yourself also in the foot of God. Et tu donnes la gloire à un homme. God is a jealous God. Dieu est un Dieu jaloux. He's a very jealous God. Il est très jaloux. He cannot share his glory with anybody. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. God knows that what we are asking Him is on the hand. Dieu sait que ce que tu lui demandes est entre ses mains. It's coming. C'est sur le point d'arriver. That is why He has sent this message. C'est là qu'il a envoyé ce message. As an angel going to Zerubbabel. Comme l'ange est allé vers Zerubbabel. Zerubbabel, what will happen? Que Zerubbabel, ce qui va arriver. It is not by your might. Ce n'est pas par ta puissance. It is not by your power. Ce n'est pas par ta force. It is by my spirit. C'est par mon esprit. After God finished to advise Zerubbabel, lorsque Dieu a fini de donner les conseils à Zerubbabel, God spoke now to the mountain. Maintenant Dieu a parlé à la montagne. Oh, you great mountain! Toi grande montagne. Who are you? Qui es-tu? Before Zerubbabel, devant Zerubbabel, thou shalt become plain. Tu seras aplani. Remember, the angel spoke the word of God L'ange to the mountain. Parlé la parole de Dieu à la montagne. The challenges that we are going through now. Les difficultés que nous traversons maintenant. It takes a word from God. To bring down that challenge. Il suffit d'une parole de Dieu pour no détruire cette difficulté. Your physical efforts, quel que soient tes efforts physiques, that challenge can ces problèmes never shake. Ne peuvent jamais bouger. The challenges are the mountains God is talking about. Les difficultés, c'est ces montagnes dont the Dieu parle. Hardship is the mountain God is talking about. Les temps difficiles, c'est cette montagne dont the Dieu poverty parle. Is the mountain God is talking La pauvreté, c'est cette montagne dont Dieu the parle. Troubles in our marriages is les the problèmes mountain dans nos mariages, God is talking about. C'est cette problème dont Dieu parle. The sickness. Is the mountain God is talking about? Les maladies, c'est cette montagne dont the Dieu spiritual parle. Attacks, these are the mountains God are talking about. Les attaques about. Spirituelles sont cette montagne dont Dieu parle.
You have tried on your own. Vous avez essayé de vous-même. But they are still there looking at you. Mais elles sont encore là et vous It's regardent. A great mountain before you. C'est une grande montagne It devant will take vous. The Spirit of God to bring down that mountain. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour faire tomber cette montagne. It will take a word of prophecy from God to bring down that mountain. Cela nécessite une parole de Dieu pour faire tomber cette montagne. When the children of Israel, lorsque les enfants d'Israël, they have been in captivity for 70 years. Ont été en captivité pendant 70 ans. We have been in troubles for many years. Nous avons été pendant les problèmes depuis des années. We have been in hardship for many. Nous avons connu des temps difficiles depuis des années. We have been in barrenness for many years. Nous sommes dans la stérilité depuis des années. We have been in poverty for many years. Nous sommes dans la pauvreté depuis des années. Israel were in captivity for 70 years. Le peuple d'Israël a été en captivité pendant 70 ans. It's the same thing that is happening to us today. C'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. Even there were prophets of God. Quoi qu'il y avait des prophètes de who Dieu. Who existed? Qui existaient? In the time of that mountain. À cette période. The mountain before the children of Israel. La montagne devant le peuple d'Israël. Was that 70 years of captivity? C'était ces 70 ans d'esclavage. It was a great mountain before them. C'était une grande montagne devant eux. Imagine them being in their hand. In the God make them to be in the mercy of their enemies. Imaginez que Dieu leur a permis d'être à la merci de leurs ennemis. Nebuchadnezzar, the great king of Babylon. Nebuchadnezzar, le plus that grand the whole roi de Babylone, world was afraid of him. Tout le monde avait peur de lui. The children of Israel, they were under him captive. Le peuple d'Israël était there en were, captivité. There was no hope for them. Il n'y avait pas d'espoir. No hope. Pas d'espoir. It was a very great mountain before them. C'était une très grande montagne devant eux. They never knew how this thing would happen before they would ever go back again to their Ils land. Ils ne savaient pas comment faire. We don't know what we are going to do before we ever have 1,000 again in our hand. Ils ne savaient pas comment faire pour avoir. We don't know what we'll ever do before this marriage can be restored again. Nous ne savons pas comment on va faire que ce mariage soit restauré. We don't know what we'll ever do before we can have a child. Nous ne savons pas comment faire pour avoir un enfant. They never knew what they can do again before. Ils ne savaient plus quoi faire. They can be released from the great from the hands of this great Zerubbabel. Pour être libérés des chaînes de Zerubbabel. Prophets came. Les prophètes sont venus. Jeremiah was there in the time of captivity. Jérémie était là pendant la captivité. He even prophesied the captivity. Il a même prophétisé la captivité. But he could not change it. Mais il ne pouvait pas changer cela. Ezekiel came. Ezekiel est venu. Even inside the captivity. Même dans la captivité. He could not change it. Il n'a pas changé. Zerubbabel was not a prophet. Zerubbabel n'était pas un prophète. He was not body. Il n'était rien. He was even one of the captives. Il était même l'un des captifs. They gave birth to him in the land of Babylon. On a donné naissance à lui his parents took his parents there for captivity. Ses parents étaient en captivité. It was there that they gave birth to Zerubbabel. C'est là-bas qu'il est venu au monde. In slavery. C'était un esclave. But when the time came, mais lorsque le moment est arrivé, for God to restore back Israel, que Dieu restaure Israël, he can use anybody to restore. Il peut utiliser n'importe qui God pour restaurer. God can use any man to restore your life. Dieu peut utiliser n'importe qui pour restaurer ta vie. Don't concentrate that. Let me concentrate on this my rich uncle. Ne te focalise pas sur cet oncle qui est riche. Maybe you go to his house, you clean the house. Là, tu vas aller là-bas nettoyer la maison. You go and tell house boy, house girl, you wash plate. Tu vas devenir boy ou bonne. Other one, you have your intention. You know what you're looking for. Parce que tu sais ce que tu cherches. You behave very humble. Tu vas être humble. You do all kind of things there. You tu know, you know that he's chose. A rich man. You Mais know tu sais why you're doing all those things. Et tu sais pourquoi all tu your hope ces now choses. Is on him. Ton espoir, if tout this ton espoir man est celui. Does not give me something, hey, that poverty will kill me. Si cet homme ne me donne pas quelque chose, so you go and fool him, do this, do that, do that. Tu vas aller essayer de le tromper. If it is not the will of God, si ce n'est pas la volonté de Dieu, you will finish there and come back nothing. Tu vas finir là-bas et tu vas rentrer. Uncle will tell you, Stephen. L'oncle va te dire, Etienne. Yes, don't worry. Ne t'inquiète pas. There's a business transaction. I'm just waiting. Immediately it will arrive. Dès que je vais, il y a une activité que je vais faire. Dès que ça va passer, je vais te donner. I'll see you. Je vais te voir. You already took your bag that you are going. You came before uncle, expecting all that one, all the house boy thing that you have done. Ton you knew that uncle will do something. Quoi qu'il va faire quelque chose. Uncle will tell you, don't worry. On va te dire non. Immediately things will. I'll see you. Dès que les choses vont marcher là, je vais te voir. Stephen is not answering. Stephen is even going, no transport. Il va partir, même le transport, il n'y a pas. Even transport. Même le transport. Uncle will even tell you. L'oncle t'a dit. I don't have small change. Je n'ai pas de monnaie. But don't worry. Mais ne t'inquiète pas. What do you study again in school? Qu'est-ce que tu as appris à l'école encore là?
What did you study again in school? Qu'est-ce que tu as même encore appris à l'école? What business do you like to do? Quel genre d'activité tu veux faire? All kind of great business. Tu vas expliquer tout genre de grand business. Okay, it's a very small thing we are going to do. Non, c'est une petite chose. On va faire cela. On va faire cela. Stephen is there now. He don't bat. Now let's transfer now. Stephen, find him. Stephen, find him. Why? Pourquoi? Stephen put all her trust, hope. Stephen a mis tout son espoir on man. Sur un homme. Now man have disappointed Stephen. Maintenant l'homme l'a déçu. Stephen knew that uncle is a very rich man. Il savait que cet oncle c'est un riche. He come back without his situation tu change. Tu ne peux pas partir le voir et que tu reviennes. If it is not the will of God, si ce n'est pas la volonté de Dieu, go to the president's office. Va dans le bureau du président. You will see come back a very poor man. You even borrow, transport to leave Yaoundé and come back. Dès même que tu vas m'emprunter le l'argent pour the president's office. Pour revenir. If it is not the will of the si father, ce n'est pas la volonté du père. If you don't put your trust in him, si tu ne mets pas ton espoir en if lui, your, all your hope is not on God, si tout ton espoir the n'est moment pas Dieu, you focus your trust, your hope on man, le moment où tu focalises ton espoir sur un homme, even God will cause that man to fail you. Même Dieu va pousser cet homme à God te loves décevoir. You. Dieu t'aime. He wants your soul to be saved. Il veut que ton âme he does soit not sauvée. Want you to draw close, go away from him. Il veut pas que tu t'éloignes de lui. He will cause that your uncle to fail you. Il va faire ce que ton oncle te go this way, he cause people to fail you. Tu vas partir partout, tu he seras go déçu. This way, you cause people to fail you. Tu partout, tu iras, tu vois, les God gens is the one déçu. Permitting it to happen. Dieu qui permet que cela arrive. You try to do this business, it's not moving. Tu essaies de faire cette activité, ça ne marche pas. You see that this man is doing it, is working for him. You go and copy. You try to do. Tu vas voir que cet homme fait ceci, tu vas essayer you de copier, mais ce sera, in debt, 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 tu vas te retrouver dans les dettes, debt. les dettes. God is the one doing it. You know why? Dieu qui fait cela, pourquoi? You have not yet trust, put all your trust in him. Parce que tu n'as pas mis tout ton espoir en lui. You still remember this man, Aaron Ango. Tout ce dont tu fais, please, tu repars, me, tu te rappelles d'un homme. That man will disappoint you. You still go that way, please. Cela va te décevoir, tu vas aller à gauche. You. Il va te décevoir encore. God will cause everybody to disappoint you. Dieu va faire ce que tout le monde te déçoive. So that when you be weak now, you don't have anywhere to go. You know, lorsque tu seras faible, means that I'm going to die with my poverty like this. Dire, ah, peut-être je vais mourir avec ma pauvreté. That moment. À ce moment. Where's my Bible? Dire, ah, où est ma Bible? Where's my Bible? Où est ma Bible? Now, oh man, don't disappoint me. Maintenant que tout le monde m'a déçu. I'm go back now for God. Que je rentre à Dieu. God. God, our last option. Dieu, c'est notre dernière option. Tell your neighbor, neighbor. Dit, voisin, neighbor. Voisin. I will not put God. Je ne vais pas mettre my Dieu last option. Comme ma dernière option. God will be my first option. Dieu, c'est ma première he option. He will be my first husband. Il sera mon premier mari. He will be my first wife. Il sera ma première femme. He will be my first business. Il sera ma première activité. He will be my first education. Il sera ma première éducation. That's it. Now what have caused you now to come back to God now? Maintenant, qu'est-ce qui t'a causé que tu all the disappointments Dieu? Everywhere. Toutes ces déceptions partout. Why? Pourquoi? Because you trusted much where you were going than parce que tu God. As mis plus ton espoir là où tu partais que God already knows. Dieu savait. God will be happy for you to be happy. Dieu sera content. When you are happy, he's happy. Lorsque tu es joyeux, il est he's content. Not doing all that because he wants that you should not be happy. No. Il ne fait pas cela pour que tu ne sois pas content. Non. He knows that if he comes, if he allows that man to bless you. Even one time you will never give him God. Et c'est que si il laisse que cet homme te bénisse, you will know. Tu n'auras plus jamais le temps pour lui. This man that have done this thing. Tu sauras que non, c'est cet homme. You will never think 1% about God. Tu ne donneras même pas 1%. And because of that, the reason why he created you will not be fulfilled. Et la raison pour laquelle il t'a créé, tu ne we vas pas. We are here to give him glory. Whatever he is doing to us is for us to give him glory. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour que nous le rendions gloire. Tell your neighbor, dis voisin, don't rob God. Ne vole pas Dieu. Don't rob God's glory. Ne vole pas la gloire de Dieu. Say neighbor. Voisin. Is that neighbor is sleeping? Shake comme that neighbor. Comme si ce voisin dort. I know what God is about to do. Je sais ce que Dieu est sur le point de faire. But tell that neighbor. Neighbor. Dis voisin. Don't steal God's glory. Ne vole pas la gloire de Dieu. Don't rob God from his glory. Ne vole pas la gloire de Dieu. Whatever that will happen to you pour from ce today. Qui va t'arriver à partir d'aujourd'hui. Give God glory. Donne la gloire as you are leaving the church, comme tu laisses l'église, any phone call you receive, tout appel téléphonique que tu for recevoir, open door, d'ouverture des portes, for blessing, de bénédiction, for upliftment, d'élévation, first person to thank is God. La première personne à remercier c'est Dieu. This is the moment for God's glory. C'est le moment pour la gloire de Dieu. That is why he has sent us where he has sent us. C'est pour cela qu'il nous a envoyé là où il nous a envoyé. But now, this is the
This is the advice that he's giving to us. Maintenant, voilà le conseil qu'il nous donne. That when this glory will come, lorsque cette gloire sera là, let the people remember he's the one. Que le peuple se rappelle que God will use any medium. Dieu va utiliser tout genre de moyens. To bring us open doors. Pour nous ouvrir les portes. But don't look at the medium God have used. Mais ne regarde pas le moyen que look Dieu a utilisé. At God. Regarde à Dieu. You can appreciate the medium. Tu peux apprécier le moyen. The glory, God. Mais la gloire doit repartir à Dieu. Alléluia. There is no mountain. Il n'y a aucune montagne. That God cannot remove. Que Dieu ne peut pas ôter. There is no one. Il n'y a aucune. There is no mountain. Il n'y a aucune montagne. He is the one that created the mountains. C'est lui qui a créé les montagnes. The Bible says when he speaks, la Bible dit lorsqu'il even parle, the mountains they skip like rams. Même les montagnes sont ébranlées. There is no mountain. Il n'y a pas de montagne. That God cannot shake. Que Dieu ne puisse that God bouger. Cannot bring down to plane. Que Dieu ne peut pas aplanir. There is no one. Il n'y en a pas une. And he is about to do it. Et il est sur le point de the le mountains faire. That are before us. Les montagnes qui sont devant nous. He is about nous. To remove them. Il est sur le point de les enlever. He is about to bring them to plane. Il est sur le point de les aplanir. But when this mountain come down, lorsque cette montagne sera remember aplanée, the spirit of God has done it. Rappelons-nous que c'est l'esprit de Dieu qui l'a fait. It was not the will of God for Israel to come back to Jerusalem from captivity before 70 years. Ce n'était pas la volonté de Dieu pour que le peuple d'Israël sorte de captivité avant les 70 ans. That was why even Jeremiah. C'est pourquoi même Ézéchiel, c'était des grands prophètes en ce they temps. Could not cause the captivity to stop. Mais ils ne pouvaient pas arrêter la captivité. Because it was the will of God. Parce que c'était la volonté de Dieu. Many of us, what we are going through today, beaucoup d'entre nous, ce que nous traversons aujourd'hui, don't start to point fingers. Ne pointons pas les doigts. My grandmother in the village. C'est ma grand-mère au village. I'm suspecting her. Je la suspecte. This my auntie. One day she was telling my mother that your children will never succeed. Un jour, elle disait à ma mère She's the cause. It is the will of God. C'est la volonté whatever de Dieu. Whatever challenge, quelles que soient les difficultés, whatever challenge, quelles que soient les difficultés that you have now, que vous avez maintenant, anything, toute chose that is happening in your life now, qui se passe dans votre vie maintenant. Tell your neighbor it is the will of God. Dis à ton voisin, c'est la volonté de say Dieu. Say it is the will of God. C'est la volonté de Dieu. Yes, and it is there for a purpose. Et c'est là pour une raison. God knows why he has allowed that challenge to come. Dieu sait pourquoi il a laissé ces problèmes que ça arrive. That challenge is there. Cette difficulté est là. Because God's time to bless you has come. Parce que le temps de Dieu pour qu'il te bénisse est déjà arrivé. This thing may be very difficult to grab this statement. Cette parole peut-être sera that difficile challenge à is there. Ces problèmes sont là. Because the time for God to bless you has come. Parce que le temps pour que Dieu te bénisse est arrivé. Is it hard to understand that statement? Est-ce que c'est difficile so, à comprendre? Some people will say, how can time for God to bless me is there and instead a problem comes? Certains vont dire que comment ça peut le that temps challenge de la bénédiction is there because et le problème it is arrive. Time for God to bless you. Ces difficultés sont là parce que c'est le temps pour que Dieu te bénisse. God cannot bless you. Dieu ne peut pas te bénir. And the blessings destroyed that les bénédictions sont détruites à ce moment. If not, sinon, His word in the Bible will not be accomplished. Sinon, sa parole dans la Bible ne sera pas accomplie. The word of God says, la parole de Dieu dit, the blessings of a man, les bénédictions de l'homme, the blessings of God upon a man give no sorrow to that man. La bénédiction de l'homme, de Dieu dans la vie de l'homme n'ajoute aucune peine. The blessing of God gives no sorrow. La bénédiction de Dieu ne vient avec aucune peine. God knows that with your character, Dieu sait qu'avec ton caractère, with your nature, ta nature, you don't know him. Tu ne le connais pas. You are not closer to him. Tu n'es pas proche de lui. You have anger. Tu as la colère. You have jealous mind. Tu as une pensée de jalousie. You have hatred for one another. Tu as la haine pour les uns when et les autres. When God sees all these characters, lorsque Dieu voit tous ces caractères, because every human being have all these characters, there is no one that is perfect. Tout homme a ces caractères, personne n'est parfait. But before God blesses you, mais avant que Dieu ne te bénisse, he will first of all make sure he removes all these characters. Il va d'abord se rassurer qu'il enlève tous ces caractères. If he wants to bring you a husband, he will first of all make sure, and he knows that you have anger. He will make sure you be without a husband. You will look for a husband, and the husband is not coming. Tu vas chercher le mari ne viendra pas, parce que Dieu va vouloir d'abord enlever ce mauvais caractère. God is keeping that husband first to remove that anger from you. Dieu va garder cet homme à côté avant d'enlever la colère. The problems are there in order to remove that anger. The problems are there les problèmes in order sont to là remove that jealousy. Pour ôter la because jalousie et la colère. Jealousy. Anger, parce pride, all these things l'orgueil, la is colère, because we still find
power in ourselves. C'est parce que nous trouvons encore la we force still en find nous-mêmes. Strength in ourselves. Nous trouvons encore la force en nous-mêmes. That is why all our human nature is still very active. C'est pour cela que notre nature humaine est encore active. But for God to remove our human nature away, mais pour que Dieu ôte notre nature he humaine, will bring a very great burden and place on us. Il va apporter un véritable problème. That burden will be there to break your wings, to break your human strength. Ce mur sera là pour nous briser. Somebody who was very proud. When God allow a very big challenge to come upon that person, Dieu va laisser un grand problème arriver vers for toi. A very long time, pendant un certain temps, you will see that person become very humble. Tu vas voir cette personne sera because of that problem upon that person. À cause de ce problème dans la vie de cette personne. If God sees that you are a very beautiful girl and that you are very proud of your beautiness, si Dieu voit que tu es une belle femme et que tu es orgueilleuse par rapport à cette beauté, and you are going around insulting people because you are beauty, tu marches partout, tu insultes les gens parce que tu es belle. Devilish things because you are beauty. Tu fais tout genre de mauvaises choses parce que tu es when God sees it like that, lorsque Dieu voit cela, and God really loves to establish you, et Dieu veut t'établir, he will not come and establish you. Il ne viendra pas t'établir. He will not give you a husband. Il ne va pas te donner le mari. Because he knows that if he gives you a husband, parce que si tu donnes un mari, he will say, ah, you are beautiful for that man. Tu vas dire, ah, je suis trop belle pour cet homme. That man will die in your hands. Cet homme va you will torment that man. Cet homme, tu God will not bring that husband. Dieu ne va pas amener God to remove that pride. Dieu va d'abord enlever cet orgueil. God will allow. It can even cause even, do you people know this? Things will come out from your face. Certaines choses vont venir même sur ton visage. Eczemas, it will cause, you will become very ugly. Les boutons that vont very beautiful venir, girl. Toi la belle fille, tu vas a devenir. A health challenge will come upon her. Les problèmes vont venir maintenant sur toi. That challenge is not there to destroy that girl. Les problèmes ne sont pas là pour détruire cette fille. It is because God instead loved that girl to establish her. Parce que Dieu aime cette fille. He knows that if he blesses that girl with a husband, because of that girl's beauty, because she knows that she's like this, parce qu'elle sait qu'elle est comme ça, she will not respect that man. Elle ne va pas respecter the marriage will never stand. Et ce mariage ne va pas tenir. They must divorce. Ils vont divorcer. But God does not want her to get divorced. Dieu ne voudrait pas qu'elle divorce. God first of all caused a health challenge to come upon her. Dieu va l'avoir mené un problème. He allows Satan to bring a health challenge on her. Il va laisser que le when that health challenge will come, when that girl will take the mirror, lorsqu'elle va venir prendre le miroir, when she will take the mirror, hey, belle fille, eczemas everywhere, que les boutons pimples, sont partout. These things have come out of her. Les gens, les trucs look, sortent sur mon visage. If that girl comes out on the road, even the young man, even the smallest boy, that girl will be very humble before that boy. Même si c'est un very humble. Vient vers elle, sera humble. That girl cannot speak. Elle ne pourra plus parler. God have used that thing to break her wings. Dieu l'a amené pour couper ses ailes. She will not be exalting herself again. Elle ne va plus se lever elle-même. She will not be looking unto herself again. Elle ne va plus se regarder elle-même. Because of what has happened to her. Par rapport à ce qui lui est arrivé. Now, when this thing will be upon her for some time. Mais lorsque cette chose sera sur elle pendant un moment. Now, everybody that she's meeting now, even at first she was very proud with those people. She will start to be humble with all those people. Maintenant elle sera humble devant toi. She knows that if she's not humble to you, elle saura que si elle n'est pas humble avec toi, you will start to insult her situation. Tu vas commencer à insulter sa situation. So she'll be very humble. So, very alors humble elle sera humble for everybody. Pour tout le monde. As she's becoming humble every day, et comme elle devient humble that tous nature les is taking nature, control over her. That nature of humbleness is cette taking control over her. Va prendre le contrôle that pride is disappearing small, cet orgueil va disparaître small, petit small, à petit. Small, small. Petit à petit. When God sees that the pride has totally disappear. Lorsque Dieu verra que l'orgueil a totalement God disparu. God now brings solution to that her head problem. Et maintenant Dieu va apporter la solution when she will be restored now, santé. That humbleness has already overrule her. Et lorsqu'elle va sera she restaurée, will continue now to be humble. Sera déjà sur now, elle. Now a husband now can come and be peaceful. Elle continuera dans l'humilité. Maintenant le mari pourra venir et l'épouser. All our challenges, they are there for a purpose. Tous les difficultés que nous avons sont là pour and the raison. Purpose is for our own good. La raison c'est don't worry, you'll demain. Be restored. Tu who you were restauré. Before you are now. Don't worry, you'll be restored even more than that. Ce que tu étais avant, maintenant, tu seras restauré plus were que you ça. Were you a businessman? Étais-tu un homme d'affaires? Something happened to your business. Quelque chose est arrivé. You become crumbled. Tu es devenu pauvre. Nothing, no hope, no plus this. Plus de maison, plus God de rien. God knows why. Dieu sait pourquoi. He knows why. Il sait pourquoi. God wants you to become a very great businessman. Dieu voudrait que tu deviennes un très grand homme. But he saw some characters in you. Mais il a vu certains caractères if en toi. If he does not prune them, si il n'enlève pas the more this business will expand, quand cette the more you will destroy yourself. Ça grandit, plus he tu brings vas down the business. He allows Satan to attack the business. Il va the business goes down. When you are broke from that business, quand tu es brisé par now you'll business, be closer to God. Maintenant tu seras when you are close to God, God will walk Dieu out those funny characters from you.
when God has finished to work them out from you, lorsque Dieu aura enlevé tous ces problèmes, He will restore the business now. Il va restaurer even more than what you have before. Plus que ce because que tu He knows that you have a character now to manage very great things. Parce qu'il sait que tu as maintenant le caractère pour diriger les bonnes, les grandes choses. Job's properties were destroyed. Les propriétés de Job ont été détruites. When they were supposed to be restored, mais lorsqu'ils devaient être restaurés, they were restored more than how they were before. Il a été restauré plus que ce qu'il avait avant. God can never restore you and put you in that same position. Dieu ne peut pas te restaurer. He restore you to promote you. Il va te restaurer pour t'élever. He knows what He has worked out from you. Il sait ce qu'il a. He knows that you will not destroy the glory that is coming. Il sait que tu ne vas pas détruire so la gloire qui arrive. So He will expand what you were before. He will make you to be more than that again. Alors il va étendre ce que tu avais avant et il fera que ce soit plus grand. When people will see what you have become. Lorsque les gens verront ce que tu es devenu, even your businessmen, business colleagues that you people were with before, même les hommes d'affaires avec qui tu something happened then you withdraw now you are not coming to church. Quelque chose est arrivé, tu because the business was there. Parce qu'il y avait le business. Now that you were broke in business, maintenant que tu as été brisé dans you started business, coming to church. Comment venir à l'église? Your business colleagues, they started insulting you. Tes collègues comment t'insulter? You are frustrated. Oh, tu es frustré. You are this. Tu es ceci. You are that. Tu es cela. Don't worry. Ne t'inquiète when pas. God will restore you now, lorsque Dieu va te restaurer, you will not be now in that same position where you were with plus them. À la même position dans laquelle you will be now more than tu seras plus que where ce they que are. Tu étais avant. When they will see it, lorsqu'ils verront cela, they will come to you. Ils viendront vers toi. What is your secret? Quel est ton secret? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? We were together, you were not like this. Nous étions ensemble, tu n'étais pas comme ça. Your business even collapsed. Ton business a but même chuté. On coming back, look at what you have become. Mais je reviens, regarde ce que tu es devenu. Now you can now preach the gospel. Maintenant, tu pourras prêcher l'évangile. You can now tell them. Tu pourras maintenant leur dire. This is what have made me to become what I am today. Voici ce qui a fait que je sois ce que all je of suis. Them. Tous. Maybe they were going to Bar Palos. Maybe they were visiting shrines of witch doctors. Immediately you tell them, this is what have made me to be au what I am tu now. Leur diras, voici ce qui all of fait them, ce que they will run and come to that your God. Tous vont courir because they want also to Dieu. Become like you. Parce qu'ils voudront être comme toi. You see now that you are broke in business. Was for your promotion. Tu vois maintenant que cette chute que tu as connue dans ton activité. You see now that problem came because it was time for God to raise you. Tu vois que ce problème est venu parce que c'était le temps pour que Dieu t'élève. When the moment comes for God to promote you, lorsque le moment de la promotion de Dieu arrive, you are first of all demoted first. Tu es d'abord démonté. So when the promotion will come, pour que lorsque la promotion viendra, you will know that this can never be done by man. Tu sauras que cela ne peut jamais être you fait par un homme. You must give God glory. Alors tu donneras gloire. But if you are in that position now, si tu es dans cette position maintenant, and God just come, pop, promote vient, you from this promotion, this level, to another big level. Et te prend de ce niveau pour it will be hard élevé. For you to know that God has done it. Ce sera difficile pour toi de dire you que will c'est know Dieu that, oh, I have connections. Ce sera que non, ce sont mes connexions. I was first of all maybe a governor. J'étais d'abord now I'm a minister. Maintenant, je suis ministre. You ask them, they will say that I pressed some buttons. Dire, non, j'ai appuyé un bouton. I have visited some big people. J'ai visité certains grands types. When God sees it like that, God is not happy. We are giving glory cela, to people. Il that's why before he wants to promote you, he brings you down. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord te when he brings you down, you become powerless. Lorsque tu deviens impuissant, people that maybe you would have gone to them for them to help you, they will not help you. Les gens qui pouvaient t'aider même ne God t'aident is the plus. One making it like that. C'est Dieu qui fait so that when he will promote you, lorsqu'il va te lever, you will never know that it's them. You will just know that it's God. Tu sauras que ce n'est pas ces gens, c'est Dieu. Hallelujah. Please. This message has come to make us know ce message là pour God nous faire knows what we are going through. Dieu sait ce que nous traversons. He knew that the children of Israel were in captivity. Il savait que le peuple d'Israël and sera he en even told Jeremiah. Et il a même dit à Jérémie. There was another prophet, Ananias. Il y avait un autre prophète. Ananias rose up. He started becoming prophet of men. Ananias s'est levé pour être not le prophète not more a prophet hommes, of God. Plus prophète de Dieu. He came out from God and was now prophesying because of man. Il est sorti when de he la knows that Dieu, you love this thing, he will come and prophesy that thing to you. Lorsqu'il sait que vous aimez ceci, il va venir even if when it's not going well, he will tell you, don't worry, everything is fine. Même si ça ne marche pas, il va te dire, ne t'inquiète only pas, for tout you va to bien. Maybe appreciate him or to give him something. Pour que tu puisses lui donner meanwhile, chose. He was not full of a call like that. God called him Ananias. Dieu l'a appelé. But he became now a prophet of men, not maintenant, a prophet il est of God. Un prophète des hommes. When the children of Israel, when they went for captivity, lorsque le peuple d'Israël allait en captivité, why did God send them for captivity for 70 years? Pourquoi est-ce que Dieu les envoie en captivité pendant 70 ans? Because their characters. Parce que leur caractère. God wanted to establish Israel in another level. Dieu voulait établir Israël à un but autre niveau. But their characters, he wanted to prune their characters first. Ils voulaient briser d'abord leur caractère. They were no more worshiping God the way they were worshiping God before. Ils n'adoraient plus Dieu comme avant. They started worshiping idols. Ils ont commencé à adorer les idoles. Bars,
This, they forgot about the God of Israel. Ils ont oublié le Dieu d'Israël. Meanwhile, God wanted them to establish them. Alors que Dieu voulait les établir. God saw that if I make these people great, more than who they are today. Dieu a vu que si je lève ces gens au-delà de comme ils sont maintenant. They will say that these are idols that are worshiping. Ils diront que ce sont les idoles qu'ils adorent. It's what caused them to be like this. Il les a élevés. They will not give me glory. Ils ne me donneront pas la gloire. What did God do? Qu'est-ce que Dieu a fait? God went to Nebuchadnezzar, the king. Il allait voir Nebuchadnezzar. Babylon. What He went and put inside the heart of Nebuchadnezzar. Il a mis dans le cœur de Nebuchadnezzar. The Bible says. God told Jeremiah, I will use my servant Nebuchadnezzar. Dieu, je vais utiliser mon serviteur Nebuchadnezzar. God is even calling your enemies his servant. Dieu appelle même tes ennemis mes serviteurs. Are you understanding that? Your enemy, God is calling his servant. Dieu les appelle mes serviteurs. It means that he is the one that have used that man to come and do that thing to you, so that out of that thing, God will bring out something glorious from you. Dieu va That's why he tells the people that. The Babylonian king is his servant. Soit qu'il a dit aux gens que le roi de Babylone est son serviteur. My servant Nebuchadnezzar, I will use him. He will come and take all the Israelite captive. He will torment them. Those that will not, ceux qui ne seront a warning. Those that will not go ceux qui ne to vont Babylon pas partir for captivity en captivité en Babylone, is even more worse for them. Ce sera encore pire pour eux. Tell them all. Dis-leur. Those that are going, it is the blessed. They will be more blessed. Ceux qui partiront than seront those bénis. That will not go for captivity. Que ceux qui n'iront pas en captivité. Because those that will not go for captivity, ceux qui n'iront pas en captivité, I will send another servant, king of Syria. Je vais envoyer le roi de Syrie. He will come and kill anyone that will remain. Il va venir tuer tous ceux qui vont rester. Those that were to remain, ceux qui devaient rester, in the land of Israel, dans la terre they were to be killed. Seront tués. But those that were to go captive, mais to go for something, en captivité, they were the ones to be blessed. C'est ceux-là qui seront bénis. Are you understanding the mathematics that God was doing there? It means that. That captivity of 70 years was not to destroy them. Captivité de 70 ans, God wanted to prune them. The person that will refuse pruning, that one must die. Celui qui va refuser la correction, those that will remain, they will die. They will come and kill them. But those that will go to captivity, tell them it will be good for them instead. Jeremiah, go and tell them it will be good for them instead. Ce sera mieux pour eux. Before Jeremiah wants to go and prophesy to the people, avant que Jérémie aille prophétiser, in the temple of God, dans le temple de Dieu, Ananias, the prophet of man, has come. Le prophète des hommes Ananias. Don't worry, the captivity will not be long. 2 years, you people are coming back. Those are dead. 2 years only, they are coming back. La captivité ce sera pour 2 ans. God is saying 70 years. Dieu dit 70 ans. Another man is saying, another prophet is saying 2 years. Another prophet is saying 2 ans. He will come and tell the people, all the kings of Israel, the priests, the pastors, the people, the sacrificateurs. Ananias will prophesy to them. Ananias prophétisait pour eux. This captivity will be only for 2 years. Cette you know captivité, what? Ce sera seulement pour 2 ans. They will say, Amen! Amen! Many of us, we love to be moved by men, not by God. Beaucoup d'entre nous avons être conduits par les hommes que par Dieu. Men will prophesy, as you are living here, your husband, you meet him at the door here. Amen! You even, comme tu quittes Amen! Ce soir, you kneel down. Amen! That was what Ananias was doing in the temple. C'est ce que people were shouting, whoa, 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 everywhere. Les gens criaient. Whoa, whoa, whoa. Ananias, take 10,000. Take 20,000. Whoa, 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 whoa. He will prophesy. 2 years, captivity is finished. Amen. Dans 2 ans, la captivité va s'arrêter. Ah, they want to see another prophet, the genuine prophet of God now. Maintenant, le vrai prophète de Dieu est arrivé. The real prophet will enter with a message from God. Avec le message de Dieu. Please, God have said. S'il vous plaît, Dieu a dit. The people that are in captivity, ceux qui sont en captivité, they should get married there. Ils devront se marier là-bas. They should look for jobs there. Ils devront trouver they le travail. They should build homes there. Ils doivent bâtir les maisons they là-bas. Should be humble there before, ils doivent être humbles là-bas. Before the Babylonians. Devant les Babyloniens. Because the captivity is very long, up to 70 years. Parce que la captivité sera longue. This is a false prophet. They say, Jeremiah, you are a false prophet. You are a false prophet. Tu es un faux prophète. God is saying 2 years. You are saying 70 years. Dieu dit deux, you are a false prophet. They left the false prophet. And was pointing fingers to the genuine prophet. Ils ont laissé le faux prophète. People does not love to hear what God is saying. Les gens n'aiment they pas love that they should prophesy, but what they want to hear. Ils aiment quand on prophétise ce qu'ils veulent entendre. Generation of today, they don't love people that speak the truth. La génération d'aujourd'hui n'aime pas les gens qui parlent la vérité. They love people that will tell them what they want to hear. Ils aiment les gens qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Not what God wants. Pas ce que Dieu veut. But anything God tells us that is not favorable to you. Et tout ce que Dieu te dit qui n'est pas à ton avantage. It's a blessing from God. C'est une bénédiction there qui is nothing from God that will come to you that is a curse. Anything that God speaks to you,
tout ce que Dieu te dit, no matter how unfavorable it is, quelle que soit la façon inconfortable que c'est, receive it, it's a blessing. Reçois cela, c'est une bénédiction. God knows why. Dieu sait pourquoi. They said, Jeremiah, you say 70 years. Et même Jérémie a dit 70 ans. Oh, arrest this man. Arrêtez cet homme. Even the priests, the pastors in temple, même les sacrificateurs dans le temple, the king, everybody, les rois, they wanted to hold Jeremiah and kill him. Ils voulaient arrêter Jérémie et le Jeremiah tuer. Said, this is me before you. Jérémie a dit, me voici devant vous. I am saying, but what God is saying. Je dis ce que Dieu a if dit. People want to kill me, si vous voulez me tuer, you people should kill me. Tuez-moi. I will not tell you people what you people want to hear. Je ne vais pas vous dire ce que I vous voulez entendre. People what God is saying. Je vous dirai ce que Dieu dit. They fall on Jeremiah to kill Jeremiah. Ils sont tombés sur Jérémie pour le tuer. Before God sent some other people, afin que Dieu n'envoie certaines they went personnes, to the temple and rescued Jeremiah. Ils sont partis dans le temple et ils ont sauvé Jérémie. Jeremiah turned and looked at Ananias. Jérémie est parti, il a dit à Ananias. You people are the false men of God here outside. Vous êtes les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu dehors maintenant. That are derailing the people of God. Détourne le peuple even de when Dieu. The people are not moving right with God, même si le peuple ne marche pas avec even Dieu, when the people their actions are not good, même lorsque les actions du peuple and God wants to redress their action, et Dieu veut redresser leurs you actions, instead come and derail them and tell them that all is fine. Vous venez maintenant pour les dérailler et dire meanwhile, que tout va all bien, is not fine. Alors que rien ne va. Ananias, you people are the people that are doing this Ananias, kind of c'est vous outside. Qui faites ce genre de travail dehors. If I be a prophet of God, si je suis un prophète de Dieu, before the end of the year you will die. Avant la fin de cette année tu mourras. And before the end of the year, Ananias died. Et avant la fin de cette année, Ananias est décédé. That's a true prophet of God. C'est ça un vrai prophète de Dieu. It was the will of God for captivity to be for 70 years. La captivité sur 10 ans, c'était why? La volonté he de Dieu. Why? He wanted to prune the children of Israel so that when they come back, remember when they came back, the temple, everything was restored more than how it was before. Lorsqu'ils sont rentrés, le temple était restauré plus que avant. God wanted to prune their character. Dieu voulait briser cause leur caractère. Them to know that it is only him God that they should worship, not any other God. Que c'est le seul Dieu qu'ils doivent adorer. He sent them for captivity. Il les envoie they en captivité. They went and suffered for 70 years. When they came back, lorsqu'ils sont rentrés, that was when they knew that God is God. C'est là qu'ils ont su que Dieu est Dieu. Because of that, everybody gave God glory. Et à cause de cela, tout le monde a rendu gloire à Dieu. When the moment came, that was now Zerubbabel that God used. Lorsque le moment est venu, the 70 years Zerubbabel over now. I have pruned my people well. Que maintenant j'ai their bien enemies entraîné have mon peuple. Caused them to be humble. Leurs ennemis les a poussés now, à être humbles. They can go back now and become my people. Maintenant ils peuvent rentrer et devenir and mon peuple. I can become their God. Et maintenant je peux devenir because leur because Dieu. Their character is now like this. Parce que leur caractère est bien. Who has caused that character like this? Qui a causé que ce caractère the soit person comme you ça? Think is your enemy. La personne he qui has instead caused you to be like this before c'est God. Lui qui te fait devenir meilleur devant Dieu. You don't have an enemy. Tu n'as pas the person you thought is an enemy. Celui dont tu penses qu'il est un ennemi. Is a servant of God. C'est un serviteur de Dieu. Towards you. Aussi. From today. À partir d'aujourd'hui. If you know you have somebody in your heart. Si vous savez que vous avez quelqu'un dans votre this cœur. This man have done me this. Cet homme m'a fait ceci. I will not reconcile. Je vais pas me réconcilier. I will do this thing to this je vais person. Faire ceci pour cette personne. God used that person to do something. Dieu a utilisé cette personne. To do that thing. Pour faire cette chose. So that. Afin que. He will make you to become great through that thing. Et que Dieu t'élève au travers de cette person. Chose. It ne blâme pas cette personne. It is just an instrument. C'est juste un instrument. So you don't have enemies from today. Nous n'avons pas d'ennemis à partir d'aujourd'hui. Hallelujah. Yes. The moment has come for God to restore His people. Le moment est venu pour que Dieu restaure. The moment son has come for God for the people to see God's glory. Le moment est venu que le peuple voie la gloire de Dieu. When this glory will come. Lorsque cette gloire viendra. Zerubbabel. Zerubbabel, it is not by your might. Ce n'est pas par la puissance. It is not by your power. Ni par ta force. It is not because you are a governor. Ce n'est pas parce que tu es gouverneur. It is not because you are a military man. Ce n'est pas parce que tu es général de l'armée. Remember, it is my spirit. Rappelle-toi, c'est mon esprit. Who have brought down this mountain? Qui a brisé and cette montagne? And that mountain was Babylon. Et cette montagne c'était Babylone. To release them to come back. Pour qu'on les libère. Pour it was rentrent. A very great mountain before them. C'était une grande montagne devant eux. So. When God wanted to release them from Babylon for them to come back. Lorsque Dieu voulait les libérer de Babylone pour qu'ils God knew that if you don't want Zerubbabel. Dieu savait que s'il n'avertit pas Zerubbabel. Who is a governor? Qui était gouverneur. He would think that he's the one that have caused the people to come back il because of his position. Il pensera que c'est lui qui a fait ce que le peuple he sent de an angel, go and warn this man. Il a envoyé l'ange d'aller avertir. I want to use him to restore my people. Je veux l'utiliser pour restaurer but mon peuple. But he should know that it is not by his power. Qu'il sache que ce n'est pas par sa puissance. He should know that it's not by his might. Qu'il sache que ce n'est pas par ses pensées. It is my spirit who have c'est done pas mon it. Esprit que je l'ai fait. What is about to happen to us? Donc, ce qui est sur le point de nous it arriver. Is not because we are fasted. C'est pas parce que nous avons jeûné. Don't go and tell your friend, oh, this breakthrough I've just received. Dis pas à ton ami que la percée que j'ai reçue.
the church, our church, we were on fasting for 3 weeks. Nous avons jeûné pendant 3 semaines. After this fasting, now this breakthrough has come. Après ce jeûne, la percée est venue. Don't give glory to that fasting. Ne donne pas la gloire à ce jeûne. Don't give glory to us, the men of God. Ne donne pas la gloire aux hommes de Dieu. Give glory to God. Donne gloire à Dieu. It is when this restoration will come. Lorsque cette restauration when viendra. When this glory will come. Lorsque cette gloire viendra. Remember. Rappelez-vous. It is the Spirit of God. C'est l'Esprit de Dieu. It is the Spirit of the Most High. C'est l'Esprit du Très-Haut. Is not by power, by thy Spirit, says the Lord. Is not by might, is not by might, is not by power, is not by power, oh, by my Spirit, says the Lord. This mountain, this mountain must be removed. Sing this mountain, this mountain must be removed, must be removed. In Jesus' name, this mountain must be removed. By my Spirit, says the Lord, this mountain, this mountain, this mountain must be removed. Must be this mountain must be removed. Cette not by your position. Sera ôté non pas par ta position. Not by who you are. Non pas par qui tu es. Not by your family members. Non pas par ton, un membre de ta famille. Not by your physical strength. But by the Spirit of the Most High. Mais par l'Esprit du Très-Haut. Have your wonderful seat. God bless you. Veuillons nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. That is the word of God to us. C'est la parole de Dieu pour nous. What is our own part to play? Quelle est notre partie que nous devons jouer? What is our own part to play now? Quelle est notre partie que nous devons jouer we maintenant? We know what is coming before us. Nous savons ce qui est devant nous. We know what we would tell God when this thing comes. Nous savons maintenant ce que nous devons dire we à Dieu. We know what we are viendra. Going to say when this thing comes. Nous saurons maintenant ce que nous allons dire. We will not say it is because of this. We will say it is because of God. Nous ne dirons pas que c'est à cause de cela now ou que we là, have c'est known grâce à Dieu. That this is what we are going to do. Maintenant, nous savons ce que nous devons faire. Yes, but what now? It is our own contribution. Mais maintenant, quelle est notre contribution? For this mountain to be removed. Pour que cette montagne soit ôtée devant nous. Mark chapter 11. Mark chapitre 11. Mark chapter 11. Verse 23. Only. Marc chapitre 11, verset 23, il est écrit. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Amen. Alléluia. Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, verset 23. Verset 23. I read in the Spirit of the Most High. Je lis au nom du Seigneur. For surely I say to you,
Whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that these things he says will be done, he will have whatever he says. This is the word of the Lord. I can't hear you. This was Jesus Christ telling the people. This mountain that you people are seeing, cette montagne que vous voyez, anybody, tout le monde, he does not say a prophet. Il n'a pas dit seulement les prophètes. If not, Jeremiah, Ezekiel, them, they would have spoken to the mountain before Zerubbabel. Sinon, Jérémie et Ezekiel devaient parler à la montagne avant Zerubbabel. He was not speaking to the kings. Il parlait pas seulement aux rois. He was not speaking to the elders of Israel. Il parlait pas seulement aux anciens d'Israël. He was speaking to the people. Il parlait au peuple. He was speaking to the church. Il parlait à l'église. Anyone, toute personne, that will tell this mountain, qui dira à cette montagne, be thou removed, soit retire-toi, be thou removed, ôte-toi, and be thou cast into the sea, et va te jeter dans la mer, without, a condition comes now, maintenant la condition without vient, without doubting, et sans douter, but believe that whatever he says, mais en croyant que tout ce qu'il dit, it will come to pass, va s'accomplir, and you will see it come to pass, et il verra cela s'accomplir. The mountains have explained the challenges, all our challenges. It was the same thing Jessica was telling them. The mountain was talking, he was still talking about the challenges. Il parlait des difficultés. No doubt. Ne doutez pas. Very soon, God is about to move in our midst. Bientôt, Dieu va bouger au milieu de nous. He just came down and took his place. Il est juste descendu pour prendre sa place. No doubt should be in your heart. Il n'y a pas de doute dans votre cœur. No matter what brought you here in church today, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes à l'église no aujourd'hui, doubt, n'ayez aucun doute. Don't doubt. Believe. Croyez. As you have entered this place, comme vous avez mis les in pieds God's dans presence, ce lieu, you are going to receive what you are looking for. Vous allez believe. Ce que vous cherchez. Whatever be the prayer request you came here with, quel que soit le sujet de prière avec lequel vous êtes venu, as you are leaving this door, you are going to receive it here. Croyez que lorsque vous allez sortir ici, vous allez recevoir cela. That's your own part to play. C'est notre part que nous the glory that is coming, la gloire qui est en train d'arriver, it needs your no doubt from you. A besoin que nous n'ayons it needs aucun your faith. Doute. A besoin de notre foi. It needs your belief. A besoin de notre croyance. Alléluia. Please, let our faith be lifted up. Que notre foi s'élève. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ.